On est un mouvement complètement anarchiste, quoi, hein, c'est, donc, mais on s'organise, on se comprend. Nous, nous faisons toujours un repérage la veille, hein, pour ne pas avoir d'ennuis s'il y a la rue est bloquée. À 200 et quelques cyclistes, il faut gérer la chose. Il faut à tout prix, pour la sécurité, que le groupe se fasse bloc. Sinon, si on s'effiloche, il y a des voitures qui s'infiltrent, tout ça, et alors là, ça devient très très dangereux. Donc il faut à tout prix que les staffeurs se mettent sur les côtés et demandent aux gens d'être très serrés. Ensuite, il faut que les staffeurs se font signe avec la main pour qu'il y ait le relais qui se fasse. Ils rejoignent le camarade et après, ils remontent toute la file pour de nouveau bloquer une rue en avant. Les staffeurs font sans arrêt ce genre de mouvement pour que justement on sécurise le convoi. Et derrière, on fait toujours un mur. C'est-à-dire des chasubles derrière, 3-4 vélos avec la couleur. Moi, je mets un gyrophare justement parce que ça se voit.